Parité, c'est une chance et c'est un facteur de performance pour l'entreprise. Et nous considérons qu'il est de notre devoir de participer à la diffusion des pratiques, des exemples et des incitations pour que l'ensemble des entreprises, des organisations se disent que la parité est une chance pour elles parce que c'est un facteur de bien-être et c'est un facteur de développement des entreprises. Chez Newstank, on peut dire que nous sommes aujourd'hui dans une entreprise extrêmement paritaire. Du recrutement au déroulement des carrières, nous sommes extrêmement attentifs à ce que la parité soit respectée. Le sujet pour nous, c'est de mettre en place des outils qui permettent de vérifier que le déroulement des carrières est absolument au même standard que le déroulement des carrières des hommes. L'enjeu principal en termes de parité chez Newstank, c'est d'arriver à recruter des dirigeantes associées qui viennent participer au développement du groupe dans les prochains mois et les prochaines années. Quelle est l'action concrète, la mesure concrète que vous allez prendre à la sortie des assises du 28 juin 2022 ? Nous allons rendre compte des débats et publier des articles qui participeront à la diffusion justement de ce qui sera dit pendant les assises et des bonnes pratiques et des bons exemples qui pourront émerger. Il est indispensable d'accélérer le mouvement en faveur de la parité dans les entreprises, dans les organisations en général. Comment le faire ? Par l'éducation, par la communication, par les exemples, par la conviction. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt des Assises de la Parité 2022, où on va avoir un concentré de pratiques, d'exemples, de problèmes à régler, de solutions inédits. Donc venez à la journée du 28, faites-le savoir autour de vous, mobilisez vos amis, votre famille, vos réseaux sur le sujet de la parité. Rendez-vous le 28 juin pour les Assises de la Parité 2022. Plus d'informations sur assises-parité.com. Hashtag Assises de la Parité 2022.